Alors Pierre, tu peux nous dire où on se trouve là? Derrière toi, il y a des arbres énormes là. Tu peux m'en dire un mot? On est dans le Var, Ouais. dans la RBI des Morts, C'est quoi la RBI? la réserve biologique intégrale, D'accord. un endroit de forêt préservé par l'ONF. Et D'accord. on est dans la cèdreraie de Ragus, D'accord. pas loin de la chartreuse de l'Averne, Ok. dans le territoire communal de Colobrières. Ok. Donc, c'est quoi l'histoire de ces arbres énormes là? Tu as une idée comment ils ont été plantés, ces arbres Eh ici? bien, ça serait un curé ou un moine, parce que c'était des fermes monacales ici, qui aurait planté des cèdres en revenant du Liban. D'accord. Et les cèdres, comme on voit, ont fait des petits, ont grossi, ont prospéré, et maintenant ils sont grands. Et on voit toute une régénération de cèdres tout autour. Quand on regarde bien, autrefois il y avait des châtaigniers ici, d'énormes châtaigniers. Et D'accord. maintenant ils ont séché, les cèdres ont pris la place, quoi. Est-ce que tu as une idée des plus anciens là, de ces cèdres? Alors ils ont été carottés il y a une vingtaine d'années. Ils avaient été donnés à 80 ans, donc ils auraient une centaine d'années. Donc une D'accord. croissance très très rapide. Oui, parce qu'ils sont très très gros, ces Ils sont arbres, hein. énormes. Donc il y aurait peut-être de l'eau en dessous de nos pieds, que ça ne m'étonnerait pas. Ok, oui, parce que là on voit il y a des ruines de quoi de. C'était un jas, c'était une ferme monacale. Et Donc, il y avait pas mal de bâtiments, quoi. Et on voit que ouais. les arbres ont poussé dessus. On voit les racines là qui entourent les murs de l'ancien bâtiment là. Absolument, ouais. Donc ça c'est un arbre que c'est une autre la deuxième génération alors Au puisqu'il. moins, ouais, vu leur taille, c'est la génération qui a suivi, et des générations, enfin, il y a X générations, parce qu'il y a toutes les tailles, D'accord. tous les diamètres, toutes les hauteurs. Ok. Alors à côté de toi, là, on voit qu'il y a des jeunes cèdres, donc ça s'arrête pas, quoi. Ils arrêtent toujours de Non. faire des petits, quoi. Ben, dès qu'ils trouvent de la lumière, un arbre qui tombe, paf, la régénération prend. Hein. D'accord. Ils Donc sont friands de cet endroit. On trouve vraiment toutes les tailles. Si on va encore un peu plus loin, on aura des tout petits. c'est ça se régénère bien cette essence, quoi, finalement, alors. J'ai l'impression. Après, l'avenir nous dira. Après, le cèdre du Liban, je crois qu'en montagne, il se tient pas mal aussi. Qui sait, tu penses à une essence de renouvellement? Enfin, une essence qui pourrait remplacer les pins du Var? Ouais. On a quelques arboretums avec du cèdre. Cèdre de Liban, cèdre de l'Atlas. C'est quoi cet énorme arbre sec à côté de toi C'est un vénérable. là? C'est un très vieux châtaignier qui est mort. D'accord, on voit des traces noires dessus. Il a dû subir le feu. Et il me semble que celui-là avait été carotté, et ils y avaient trouvé un petit millénaire. Et Ce que tu appelles carotté, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils quoi? avaient percé au cœur, et avec ce qu'on appelle la dendrochronologie, c'est-à-dire qu'on essaye de raligner les cernes, les écroissements de bois qui se fait sur l'arbre, en fonction des saisons, des années. Après, on arrive à retrouver l'âge de l'arbre grâce à Donc la dendrochronologie. 1000 ans d'après toi, enfin d'après Voilà, ce qu'ils ont mesuré, voilà. quoi. Ok. 1000 ans, et puis il est mort. D'accord, parce qu'il y en a encore un autre là qui est énorme mais qui est sec aussi. Voilà, ben c'est son petit frère. C'était une châtaigneraie autrefois ici, hein, il Donc y a longtemps, longtemps. c'est des gros châtaigniers qui étaient là, quoi. Hein. Voilà, des châtaigniers imposants. Et on voit derrière, tout autour, du cèdre. Qui a pris la place donc Voilà. finalement. La nature a horreur du vide. Ouais. Donc cet accident, c'est ce moine qui est venu avec ses cèdres Voilà, finalement avec et sa quinzaine ou vingtaine de graines, eh ben il a il a créé un ensemencé. peuplement de cèdres quoi. Voilà. Qui a D'accord. priori presque sera adapté au climat, on voit maintenant.
D'accord. Pierre, toi, tu es un forestier du coin, alors, si j'ai bien Ouais. compris, hein, c'est ça, hein? Je suis un forestier du coin et j'avais jusqu'à peu la gestion de l'endroit et puis je vais un peu changer de crèmerie. Donc tout ça va continuer à se Sa développer. croissance libre et naturelle. D'accord. Et donc quand tu vois ça, toi, en tant que forestier, là, quand tu vois que finalement ce type là, ce moine, il a planté il y a 100 ans où il a semé quelques graines comme ça, puis que tu vois évoluer ça comme ça, ça gagne quoi, petit à petit, tu perçois ça comment toi en tant que forestier dans cet endroit-là, là, ça te. Ça peut être une possibilité d'avenir pour implanter une essence parmi plusieurs qui pourraient subsister au pin, quoi. D'accord, le cèdre, ça pourrait, ces cèdres-là, ça pourrait convenir, quoi, pour le climat, là, tu. Ça a plus d'amplitude que le pin, qui en a déjà beaucoup d'ailleurs. D'accord. Donc, potentiellement, le hasard des choses a fait que ça Voilà. pourrait. Mais ce n'est juste qu'une essence Ouais. parmi tout ce qu'il faudrait comme cortège d'essence pour D'accord. arriver à avoir une nature viable. Eh bien, écoute, je te remercie, Avec puis plaisir. à bientôt.